Marc chapitre 10, verset 17 à 25. Zela botangi ya zomi na sambo kino na tukumi bale na mitano. Ensuite, nous lirons Luc chapitre 12, 15 et 21. Nashima tokotanga mokana Luca mokapona zomi na mibale molongo ya zomi na mitano kino na tukumi bale na moko. Vous qui nous suivez, soyez bénis. Baye bazolo anda bisona etando ike boyambali pambole atata botika la kokanga mana mayanga. Dieu va nous faire du bien. Zamba kosala biso bola mutongwe. Mokanda na malako mokapona zomi molongo ya zomi na sambo kino na tukumi bale na sambo. La Bible dit: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Le prochain verset, c'est vous qui allez lire. Honore ton père et ta mère, si vous êtes là, 20e verset à vous, 1, 2, 3. Deuxième verset, c'est vous encore, donnez la vie alors que vous êtes dans la présence de Dieu, 21, 1, 2, 3. Yes. Mm. 22e, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Les deux derniers versets, c'est vous. 1, 2, 3. Come on. Mm. 24, c'est vous encore. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. 25, c'est le dernier verset. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Luc 12, 15, 21. Luc 12, 15, 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Est-ce qu'on peut relire encore 1, 2, 3? Alors, parle un peu à ton voisin, parle à ton voisin, récite-lui ce passage pour lui dire ta vie. Là, on dit la vie de l'homme, tu lui dis ta vie. Amen. Hein? Amen. 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 S'écoute ton voisin, s'écoute ton voisin. Allez-y, maintenant tu peux lire pour lui. 1, 2, 3. Yes. La vie d'un homme ne dépend pas de quoi? De ses biens. Dis à ton voisin, ta vie ne dépend pas de tes biens. Si tu lui parles bien, je vais te révéler. J'ai trois richesses du chrétien que je vais te révéler ce matin. Si tu lui parles bien, je vais te révéler ces mystères. Dis à ton voisin, ta vie ne dépend pas de tes biens. Dis-lui ça. Plus que ton voisin la deuxième fois. La dernière fois, que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Et le verset 21, la Bible dit, je vais le lire pour nous tous. 21, donnez-moi 21, la Bible dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est point riche pour Dieu. Amen. Amen. Qui iront en enfer? Le diable et les anges déchus. Les païens, les incroyants. Troisième type, plusieurs et riches ou certains riches. Suivez-moi très bien ce matin. Suivez-moi très bien ce matin. Depuis dimanche passé, je nous ai dit ceci, suivez-moi parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. L'accumulation égoïste des richesses est un signe qui présage que premièrement, maman t'a pris en otage. Mais deuxièmement,
Ton éternité n'est plus une préoccupation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà commencé. Je disais ceci. L'accumulation égoïste des richesses. Pour moi seul. Pour ma famille. Pour ma vie. J'ai trop souffert pour ça. Premièrement, c'est un signe que maman t'a pris en otage. Parce que par l'égoïsme, nous rendons les cultes à maman. Alléluia. Amen. Maman étant les dieux de l'or, les dieux de l'argent, il veut posséder le cœur de l'homme. Il veut posséder le cœur des femmes afin de lui rendre les cultes. Et comment est-ce que nous rendons les cultes au diable? Comment je dirais? Comment nous rendons les cultes à maman? Par la cupidité. Par l'avarice. Par l'égoïsme. Par la malhonnêteté. Par les humeurs contrôlées par l'argent. Ainsi, il y a des gens. La période où il a beaucoup d'argent. Il a envie de prier. Il ne manquera pas au culte. Au fait, la vérité, c'est que son Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est maman. Alléluia. Amen. Je répète, je dis ceci. L'accumulation égoïste des richesses est un signe que maman t'a déjà pris en otage, mais aussi c'est un signe qui présage que ton éternité n'est plus ta priorité. Amen ou pas amen. Amen. Donnez-moi amen, on va avancer. Amen. Amen et puis on avance. Amen. J'attends encore bien. Amen et puis on avance. Amen. Alléluia. Or, cet homme vient vers Jésus pour lui poser la question: qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit d'observer tout ce que la loi dit. Il lui dit: depuis ma jeunesse, j'observe cela. Et Jésus lui dit: va vendre ce que tu as, suis-moi. Il fut triste, affligé, il est parti pour ne plus revenir. Je ne cesserai de le dire en ces lieux. Cet homme, maman Asidou, a préféré maman à la vie éternelle. C'est pourquoi Matthieu 6, 24, la Bible dit: nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un, il haïra l'autre. Alléluia. Amen. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et la Bible termine gratuit par dire: vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen ou pas amen. 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 Amen ou pas amen. Le véritable riche, ce n'est pas d'abord celui qui est riche pour lui-même. Tiens, ton voisin, c'est ça la vraie richesse. Dis-lui, c'est ça la vraie richesse. J'ai dit, le véritable riche, ce n'est pas celui qui est riche pour lui-même, mais c'est d'abord celui qui est riche pour Dieu, riche pour son royaume et riche pour le monde qui l'entoure. Amen ou pas amen. Amen. Oh, amen ou pas amen. Amen. Dis à ton voisin: être riche. Attends, on va quelque part ce matin. Dis-lui: être riche. Dis-lui: être riche. Selon le monde, est différent d'être riche selon Dieu. Alléluia. Amen. Quand tous les efforts que tu fournis, tu vois tel que tu sors tous les jours, tu vas au travail, dans les affaires, tu règles des problèmes, tu montes, tu descends. Si tout ce que tu fais, ce n'est que pour toi seul, j'insiste, tu n'es pas encore riche. Tu es pauvre.
Le vrai riche, c'est celui qui l'est d'abord pour Dieu. Pour son royaume. Et pour le monde qui l'entoure. Amen ou pas amen. Amen. Église, souvenez-vous très bien. Apocalypse 14, verset 13. Ce sont là, Julio, les œuvres qui vont nous accompagner. Quand on meurt dans les seigneurs, on se repose de ces travaux. Et la Bible dit, les œuvres nous accompagneront. Les œuvres ne seront pas les maisons que tu as achetées pour toi-même. Donne-moi amen et puis on avance. Amen. Ce n'est pas les maisons que tu auras achetées pour toi-même. Ce n'est pas les voitures que tu auras achetées pour toi-même. Ce ne sont pas les vestes que tu auras achetées pour toi-même. Ce n'est pas la collection de montres, des chaussures que tu auras achetées pour toi-même. Les œuvres qui te suivront après ta mort, parce que tu as la conscience de l'éternité, c'est ce que tu auras fait d'abord pour Dieu, pour son royaume, au travers de l'église et pour le monde qui t'entoure. Si Dieu t'a parlé, donne-moi amen. Non, et puis on avance. Non, donnez-moi amen et puis on avance. Amen. Wow. C'est ça les œuvres qui vont nous accompagner. Donc au ciel, Dieu ne sera pas là en train de dire, Papa Dieu, levez-vous. Papa Dieu, acclamez pour lui. Il a acheté 4 villas pour lui-même. Marie, ça va ma fille? Il a acheté 4 villas pour lui-même. Asseyez-vous. Fanda. Il dit, Étienne, lève-toi. Il avait 4 voitures. Il sortait lundi avec une voiture. Lundi mardi avec une autre. Jeudi avec une autre. Acclamez pour lui. Aide-moi, regarde, on va dire, dis-lui, ça ne sera pas comme ça au ciel. Si tu lui parles bien, je vais vous amener quelque part. Dis-lui, ça ne sera pas comme ça au ciel. Qui reçoit la révélation, mon Dieu? Mais au ciel, ça sera. Papa Émile, lève-toi. Papa Émile, tiens-le-moi. Quand je regarde sur la terre, tu avais acheté des instruments pour l'église. Instruments pour l'église. Tu avais financé la campagne d'évangélisation. Yes, la campagne d'évangélisation. Tu avais construit un orphelinat. Yes, vous n'êtes pas là. Tu avais aidé quelqu'un qui n'avait pas de quoi payer sa facture à l'hôpital. Yes, ça qui mis le terre ta facture dans l'hôpital. Tu avais pris en charge un serviteur de Dieu. Quand Dieu regarde ces choses, il dit voilà les œuvres qui t'accompagnent. Si Dieu t'a parlé, acclame et puis reçois la révélation. Amen. C'est ça la vérité, mes frères. Il ne faut pas se tromper. Oh, je sens tellement la gloire. Il ne faut pas se tromper. Dis à ton voisin, abat l'égoïsme. Dis-lui yes. Ça. Dis-lui bien, abat l'égoïsme. Parle-lui encore. Dis-lui, abat l'égoïsme. Non, je sens qu'il faut le dire. C'est cool, dis-lui encore, abat l'égoïsme. Dis-lui, c'est un culte à maman. Quand tu es cupide, quand tu es avare, quand tu es égoïste, c'est le culte à maman. Tu sais, un jour, un problème peut t'arriver. Et c'est d'abord ta propre famille qui t'abandonne. Pourquoi? Quand il faut manger, tu manges seul. Tu te vois que toi. Toi. C'est pas le royaume. Nota bene. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé de la transformation de nos vies. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé de la transformation de nos vies. Et tu reçois le renouvellement comment? Lorsque je t'enseigne comme je t'enseigne. Alléluia.
La parole vient ministre Israël. L'ilobeye. Elle te dit. Être riche, ce n'est pas ce que tu fais pour toi-même. Être riche, c'est ce que tu fais d'abord pour Dieu, pour son église, pour les mondes qui t'entourent. Ça, c'est le renouvellement de l'éternel. Qui reçoit la révélation. Amen. Je disais, le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé de la transformation de la vie. Et je pousse. Lorsque ta vie est transformée, facilement tu peux vivre ta destinée. Je parle à ceux qui sont ici. Hein? Amen. Pas ceux qui sont à la maison. Hein? Je répète, le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé de la transformation de nos vies. Le jour où, par les enseignements, tu es renouvelé dans ton intelligence, ta transformation a commencé. Amen ou pas amen? Je peux pousser un peu? Amen. Quand je lis ma Bible, je me rends compte que la notion de la prospérité, la notion de richesse, selon le monde, est différente selon Dieu. Suivez-moi. Leader Hilaire, selon le monde, la prospérité se définit en fonction de ce que tu possèdes. Il a une voiture. Il a $300,000 en compte. Il a telle entreprise. Ça, c'est selon le monde. Mais selon Dieu, la prospérité n'est pas ce que nous possédons. La prospérité, c'est ce que nous donnons. Yes. Je parle de quoi, Julio? Je parle d'être riche d'abord pour Dieu, pour son royaume et pour le monde qui nous entoure. Vous êtes là? Amen. On avance bien? Amen. Je répète, c'est un nota bene. La prospérité, selon le monde, est différente selon Dieu. Selon le monde, qui est prospère? Celui qui a des possessions. Mais selon le royaume, qui est prospère? Celui qui donne. Il donne à qui? La gloire, il donne à Dieu. Il donne à l'église. Il donne au monde qui l'entoure. Si tu me donnes, amen, la grâce va allumer la lumière dans ton esprit. Alléluia. Amen. Ministre Évariste, ça veut dire que la bénédiction, ou encore être béni, ce n'est pas recevoir. Être béni, c'est donner. Je sais pourquoi tu ne donnes pas amen. Je comprends. Ça te dérange. Je répète, la bénédiction, ce n'est pas recevoir. La bénédiction, c'est donner. Être béni, Patrick, ce n'est pas recevoir. Être béni, c'est donner. Quand tu donnes à Dieu, à l'église, au monde qui t'entoure, c'est la preuve. Tu es béni. Acte 20, 35. La Bible dit quoi? C'est un passage que nous connaissons. La Bible dit, il y a plus de bonheur à faire quoi? À donner qu'à recevoir. À faire quoi? À donner qu'à recevoir. Qui veut devenir prospère, qui lève la main? Qui veut devenir prospère, qui lève la main? Je veux le voir. Montre-moi bien ta main, je sais là où je t'amène ce matin. Montre-moi. Si tu es du ciel, montre-moi ta main, on va quelque part. Avec joie, montre-moi. Au ciel, il y aura la joie, il n'y aura pas. Et l'on y a qu'un charisme. Et l'on y a un charisme. Amen. Tiens, le beau, qu'on peut s'en aller. Amen.
Amen ou pas amen. Amen. Dis à ton voisin, la bénédiction s'est donnée. Lipambolez ali kopesa yebisa muto za pembe. Dis-lui bien, la bénédiction s'est donnée. Lipambolez ali kopesa. Dis-lui encore bien, la bénédiction s'est donnée. Lipambolez ali nde kopesa. Amen ou pas amen. Amen. Donc Dieu, ministre Zambé, ne nous bénira jamais. Akopambola kabiso te. Au-delà de notre désir. Koleka posa wabiso. D'être une bénédiction. Yakozala lipamboli. Pour l'église. Mpona ecclesia. Pour les autres. Mpona baninga mususu. Alléluia. Alléluia. Amen ou pas amen. Amen. Tu as écrit ça? Komiango. J'ai dit Dieu. Hein? Tata lobi zambe. Ne nous bénira pas. Akopambola kabiso te. Au-delà. Koleka. De notre désir. Posa nabiso. De devenir des canons de bénédiction, des sources de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi retiens-le. Toute occasion que Dieu te donne à soutenir son œuvre, c'est une opportunité de bénédiction, c'est une opportunité de promotion, c'est une opportunité de transformation dans ta vie. Amen ou pas amen. Amen. Oh, Dieu est ici. Zamba Zaliawa. Disons quelque chose. Totanga, Mokanda na Zambe. Matthieu 6, 19. Mokanda na Matayo, Mokapa. Molongona yango, Yazomi na Libwa. Je vais te révéler c'est quoi la richesse pour les chrétiens ce matin. Atakotali sabiso, bozui. Landisama mo Christo, ezali nini, tongweye. La bénédiction, lipamboli, c'est quoi? Ezanini, c'est quoi? Ezanini, aidez-moi, c'est quoi? Être béni, c'est quoi? Kozala mutoa pambole mesani. Ce n'est pas recevoir. Ezali kozwate. Et c'est faire quoi? Kasi ezali kopesa. C'est pourquoi des gens comme David. Dans la tina batu kwa ba David. Écrivez ce passage. Comment yango? Des gens comme David écrivez ça. Ba David, comment ma commune? 2 Samuel 24:24. La Bible dit quoi? Donne-le-moi avant qu'on décolle un peu. Donne-le-moi, c'est important. Des gens comme David, 2 Samuel 24:24, la Bible dit quoi? Il dit, mais le roi dit à Arvna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point, vous entendez ça? Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Riche pour Dieu, riche pour le royaume. La bénédiction, c'est quand tu donnes. La prospérité, c'est quand tu donnes. Reçois la grâce et sois libéré de l'égoïsme au nom de Jésus-Christ. Un roi premier, puis on avance un peu. J'ai la vue, sa gloire en ces lieux. J'ai la vue, sa gloire en ces lieux. À Silo, tu as révélé ta parole à Samuel. À Horeb, tu as révélé ta puissance à Élie. À Sinaï, plus doux, tu as révélé ta gloire à Moïse. Je la veux, ta gloire en ses. C'est le son que j'ai entendu les anges chanter. Ta gloire en ces lieux. La dernière fois, à Silo, tu as révélé ta parole.
parole à Samuel. À Horeb, tu as révélé ta puissance à Élie. À Sinaï, tu as révélé ta gloire à Moïse. Je la veux, je la veux, ta gloire en ces lieux. Je la veux, je la veux. Qui t'a aidé, qui t'a aidé, ton mon akembo mayo. Qui t'a aidé, qui t'a aidé, ton mon akembo mayo. Qui t'a aidé, Kita e, kita e, tomo na kembo na yo. Oh, oh, oh. Ta gloire, ta gloire en Seigneur. Oh, 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 ta gloire, ta gloire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Maria, 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 Ma
Cette gloire dans ton esprit. Accueille-la. Lève juste tes deux mains, dis après moi, Seigneur Jésus. C'est ça le problème, il faut être une église prophétique. Que ta voix arrive à l'autel, dis après moi, Seigneur Jésus. Je reçois cette gloire.
J'entre dans cette gloire. 2023 a commencé pour moi avec beaucoup de difficultés. Pour mon église. Pour mes parents spirituels. 2023 a commencé avec opprobre. Avec humiliation. Mais je prophétise sur ma vie, sur ma famille, sur mon église, sur mes parents spirituels, que les trois derniers mois de l'année 2023, fais-le bien, octobre, novembre, décembre, entends ma voix, tu es condamné à me retourner, à retourner à ma famille, à retourner à mon travail, à retourner à mes finances, à retourner à mon église, à retourner à mes parents spirituels. La gloire. Deuxième fois. Plus que ton voisin. Quatrième fois. Que les anges t'entendent. Cinquième fois. Que les ciels se bougent. Sixième fois. Que les ciels entendent. Septième fois. Que Jésus valide la dernière fois. Jesus. La gloire. Kembo. La gloire. Kembo. La gloire. Tata Lobia. Kembo. La gloire. Kembo. La gloire. Kembo. Iha ha tu tawa. La gloire. Chuchiwi hu chiwi men cho chabavi. Tu peux acclamer pour accueillir cette gloire. Peta maboko pona koyamba kembo. Acclame-la dans ta vie. Acclame-la dans ton travail. Acclame-la dans ta santé. Acclame-la dans ton mariage. Acclame-la dans nos cultes. Acclame-la dans ta santé, dans tes finances. Acclame-la dans cette église. Si c'est pour toi, tu acclames plus que ton voisin. C'est fait. Et Shalem. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui les croit retourne vers l'autel un meilleur. Amen. Amen. C'est ça des cultes prophétiques. Tu attends la fin, tu passes à côté. Matthieu chapitre 6. Donc 1 Roi chapitre 3 là. Mon fils Julio, dans 1 Roi 3, on voit que Salomon n'est pas riche que pour lui-même. Salomon a bâti la maison de Dieu. Même, il a bâti sa maison. Il a battu les murs de l'enceinte de Jérusalem. Mon fils Kenan, ta vie ne reste plus la même ce matin. Amen. Il a battu les murs d'enceinte de quoi? De Jérusalem. Dis à ton voisin, quand tu viens à sanctuaire de gloire, sois connecté. Dis-lui, tel qu'on commence, on ne sait pas comment on commence. Alléluia. Amen. Matthieu 6. Mokanda na matayo mokapona yango a motoba. 19. Molongo ya zomi na libwa. 24. Suivez-moi très bien, c'est là où j'ai terminé. Kino na tukumi bale na mine tolanda tata malamunde esika akosuke la pona tongwe. Suivez-moi très bien, c'est là où tolanda tata malamunde esika akosuke la tongwe. Reste toujours connecté, c'est là où j'ai terminé. Chika la Bible dit ceci, esika tokosulisa. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent. Où les voleurs percent et dévorent. Parce que n'oubliez pas,
La vie d'un homme ne se résume pas par rapport à quoi? Aidez-moi encore. La vie d'un homme ne se résume pas à ce qu'il a comme bien, comme richesse. Quoi? Non. Amen. Amen. Ensuite, Shima. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça c'est le riche. Ah ouais, Zali Motona ministre qui a la mentalité. Oh ya Zali na bizale. Le réflexe. Azali na likanishi de son éternité. Il y a bon moyen à seko. Alors qu'il est riche présentement sur la terre. Tango Zali Motona bosui. Ah on a sena moi. Amen ou pas amen. Amen. Parce que tout ce que tu fais sur la terre. Pour Dieu. Pour l'église. Pour l'église. Pour le monde qui t'entoure. La vraie récompense. C'est au ciel. Et si tu es candidat du ciel comme moi, tu ne resteras pas aveuglé. Amasser que pour toi seul sur la terre, tu te diras, je ne suis qu'un intendant, un gestionnaire des richesses de Dieu. Alors que Dieu me donne ses richesses, ça ne doit pas être que pour moi. Donne-moi amen. Si tu es là, ça ne doit pas être que pour moi, pour ma famille, mais je dois amasser. Mais le problème, c'est quoi? Continuons la lecture. Le problème, c'est celui-ci. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels où la teigne et la ruine ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dévore. Tu vois ce que tu investis au ciel. Personne ne peut le toucher. Je cherche le côté qui comprend. Amen. Ce que tu investis au ciel. Personne ne peut le toucher. Mais ce que tu investis sur la terre. Même une pluie peut emporter ça. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont perdu des parcelles, non? Suivez-moi. Il y a des gens qui ont perdu des parcelles. Il a acheté, il a construit. Mais un jour, une pluie passe. Elle emporte tout. La Bible dit. Continue. Car là où est le trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 22. Écoutez maintenant bien la lecture. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Suivez-moi. La tata. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? 24, Jésus revient encore. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et qui? Et maman, ma question c'est celle-ci. Ministre Israël, pourquoi on ne doit pas amasser sur la terre là où tout peut être détruit? On doit amasser au ciel là où tout ne peut pas être détruit. L'œil et la lampe du corps. Ensuite, nul ne peut servir deux maîtres. Ça veut dire. Suivez-moi. Ça veut dire. Ministre Evariste, ça veut dire. La réponse. Au problème de maman, c'est une affaire de l'œil.
Suivez-moi. Tolanda tata. Laissez Dieu faire ce qu'il fait. Moti kan zamba sala monsala zo sala. Dis à ton voisin, suis là-bas. Landa liloba yebisa mutoza pembeni. L'une des réponses. Mboko ebayia. Ministre Mamirut, au problème de maman. Na likambo eteli maman. C'est l'œil. Ezali lisu. La Bible dit. Mokanda lobi. L'œil. Lisu. Est la lampe du corps. Ezali mwinda ya nzoto. Si l'œil est en bon état, ce qui lisse aux ali comme on a malam, tout le corps, je te mobimba, sera éclairé. Et causa la au. Mais s'il est en mauvais état, si ce que je mon a malam, le corps, je te mobimba, a des difficultés. Et causa la au ben à kata molili. Alléluia. Amen. Analysez bien ce passage. Ça veut dire en chacun de nous, il y a une lumière. Suivez-moi. En chacun, il y a une lumière. Mais les reflets extérieurs de la lumière intérieure dépend de l'état de l'œil. Si l'œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Si l'œil est en mauvais état, les ténèbres s'empirent. Et lorsqu'on parle de l'œil ici, l'œil ici fait allusion à la perception de choses. Oh Seigneur, je pensais que j'étais... La perception de choses. Donc tout est un problème. De comment chacun perçoit. Comment chacun voit. Comment chacun... Comment chacun perçoit. Il y a le lenge kani moko na moko azali komone la makambo. Attendez. Donnez-moi mon sac, j'ai un billet ici, je vais faire voir quelque chose. Je prends même celui-ci, le plus petit. C'est un exemple. Ndakisa. Ça c'est quoi? Ezali lokasa. Donnez-moi. Il y a mon solo à 10 dollars. Oh, pourquoi vous ne parlez pas? Donnez-moi la réponse. C'est quoi ça? Et ça le casse, mais cela 10 dollars. C'est 10 dollars, n'est-ce pas? C'est 10 dollars, n'est-ce pas? C'est 10 dollars, n'est-ce pas? Pour un étudiant, il ne verra pas que 10 dollars. À comment n'a qu'à gâter le casse à 10 dollars? Tu as dit quoi? Vous avez, tu, il va voir quoi? Il voit les syllabus. Na sima eloka sambongo ya zo mona syllabus. Alléluia. Amen. Mais peut-être pour mon fils l'avocat qui est là. Tant que monsieur pona moi nango azali mon lobeli bato azali. Quand il voit ça. Soka mon eloka sambongo. Ça ne peut régler aucun problème. Et koki ko sili sali kambo mon côté. Mais ça peut acheter les unités. Kasi koki ko somba ba unité. Pour qu'il appelle. Pote abenga. Et qu'il règle des problèmes. Pe asili sa makambo etali bato. Mon Dieu, je suis à sanctuaire de gloire. Amen. Oh, oh, est-ce que je suis à sanctuaire de gloire? Amen. Pour quelqu'un qui a dormi deux jours affamé. Pona moto ala linza la mikolomi balé. Si tu lui donnes, tu lui présentes ça. Ce que talisier l'occasion à 10 dollars. Il va voir comment. A comment na lolenge kani? A comment na bilei? Hein? A comment na bilei? Il peut se nourrir. Écoutez-moi. Suivez-moi très très bien. C'est un même billet. Mais la perception n'est pas la même. Non, je pensais que j'étais à sanctuaire de gloire. Je dis c'est un même billet. Mais la manière de le voir n'est pas la même. C'est ça le problème. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Si ton œil voit bien, l'argent ne sera jamais un maître. Bon, que les 100 premiers amen reçoivent cette grâce brutalement maintenant.
Je dis, si ton œil voit bien, l'argent ne sera jamais un maître. Mais l'argent restera un serviteur. Tout est un problème. Quand tu vois l'argent, tu perçois quoi? C'est pourquoi il y a des gens, ils sont prêts à tout pour l'argent. À mentir. À commettre l'adultère, à escroquer, à commettre l'impudicité, à voler. Alléluia. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est la perception. Est-ce que c'est entré et puis on continue un peu? Pose la question à ton. Est-ce que tu as compris ces choses? J'ai dit, tout est un problème de quoi? De la perception. Allez, je vais plus loin. Pourquoi lorsqu'on fait des appels de fonds dans l'église, il y a des gens qui donnent et d'autres ne donnent pas? Tout c'est un problème de perception. Allez, j'allais dire, tout est un problème de la révélation. L'œil, ce n'est pas que la perception, mais l'œil, c'est aussi la révélation. Donne-moi la alléluia. J'ai dit l'œil, ce n'est pas que la perception, mais l'œil, c'est aussi la révélation. Quand tu as la révélation que l'argent ne doit pas être adoré, ça doit rester ton serviteur, ta manière de voir l'argent sera différente. Recevez la grâce. Amen. Qui reçoit la grâce? Amen. Hein? Qui reçoit la grâce? Tiens, c'est pour toi. Il faut garder ça. Vois, t'as tapé sur bomba en doigt. Acclamez bien. Betama boko malam. Betama boko malam. Mukolo mosusu papa kopesa yo pe betama boko. Amen ou pas amen. Amen. Même quand tu vas utiliser. Atata ngoko salela. Ça c'est l'argent d'un ouin de Dieu. Wone zali mbongo e uti na maboko a mopako la mina nzambe. Tout ce qui est d'un ouin et ouin. Nyo se uti na maboko a mopako la mina ezana mafuta na ye. Et cette onction peut ouvrir totalement ta vie. Pa ko wana e koiko foko la bomo ina yo. Yes. Parce que j'ai vu qu'il y avait comme une sorte d'étoile d'araignée autour de ta prophet, vie. My prophet. Et le Seigneur me dit, mon général. Tu devais poser cet acte dans sa vie. Yes. Tu devais poser cet acte dans sa vie. Amen. En fait, en vérité, ce n'est pas l'argent que je t'ai donné, mais c'est un envoyé que Dieu a déposé dans ta vie afin d'enlever les toiles araignées et de t'ouvrir les portes précieuses qui sont restées fermées dans ta vie. Celui qui me donne amen reçoit la grâce. Amen. Come on, mon général. Qui comprend ces choses? Nana sosoli makambo. Dis à ton voisin la révélation. Bokundolami. Dis-lui la révélation. Bokundolami. Dis-lui encore bien la révélation. Bokundolami. Est-ce que je peux pousser un peu? Yes. Oh oh. Est-ce que je peux pousser un peu? Amen. Maman Ginette, c'est pourquoi ma fille. Talatina. La prospérité. Bofuluki. N'est pas juste une question de l'argent. Ezali kakate likambo etali mosolo. En vérité, ma fille, na bosolo, la prospérité, bofuluki, c'est la quantité de la lumière en toi. Ezali ebele ya mwinda o ezomi kati na yo. Dois-je continuer dans cette direction ou dois-je changer de direction? Les aigles comprennent ces choses. Amen. J'ai dit la prospérité, au-delà de l'argent, c'est d'abord la quantité de la lumière en toi. C'est pourquoi la somme d'argent que tu as aujourd'hui dans tes mains, dans ton compte bancaire, ça va au-delà d'abord de tes capacités. C'est une affaire de la lumière. Yes, écoutez-moi bien. Plus la lumière va croître en toi, l'argent croîtra aussi. Maintenant, d'où vient la lumière? Elle vient de la révélation de la parole. Elle vient des enseignements que je te donne. Plus tu reçois les enseignements, tu as la révélation. Je peux arrêter, on peut continuer.
Mais j'ai fait ma folie maintenant. Alex, j'ai fait ma folie. Ministre, j'ai fait ma folie. Come on, my prophet. Ma gloire, j'ai fait ma folie. Yes. Mais j'ai dit ceci. Tatalobi boy. Toute lumière mwinda nyoso n'est pas vraie lumière. Ezalaka mpenza mwinda ya solote. Les gens vont dans l'occultisme. Batu bakenda ka soloka. Pour chercher la lumière. Pona koluka mwinda. Dans la maikari. Nakata maikari. Chercher la lumière. Koluka mwinda. Ils vont dans des loges. Bakenda kana ba loge. Chercher la lumière. Pona koluka mwinda. Toute lumière. Mwinda nyoso. N'est pas vraie lumière. Ezalaka mpenza mpenza mwinda teo. Donne ma main, je... Yes, my general prophet. La chose qui différencie notre lumière des autres lumières, ce n'est pas seulement la lumière, mais c'est la voix qui vient après la lumière. Tu n'as pas compris ça? J'ai dit la chose qui différencie notre lumière des autres lumières. Au-delà de la lumière, il y a une voix qui se fait entendre. La voix qui se fait entendre, c'est celle qui prouve que notre lumière est la véritable lumière. Vous n'êtes pas là ce matin. Vous n'êtes pas là ce matin. Il y en a qui ont du mal à comprendre ces mystères. Ça pénètre certains difficilement. Hein? Hein? Lorsque la lumière a apparu sur le chemin de Damas, il n'y a pas eu que la lumière. Après la lumière, il y a une voix qui a parlé. Ah, tu n'es pas là. Il y a une voix qui a parlé. À la montagne des transfigurations, il y a une lumière qui a resplendi sur le visage de Jésus. Ça ne s'est pas arrêté là. La voix a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Au buisson ardent, il n'y avait pas que la lumière, mais la voix a parlé. Moïse, 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 Moïse. Que la lumière augmente encore en toi ce matin. Que la lumière augmente en toi ce matin. J'ai dit que la lumière augmente en toi ce matin. Elles peuvent aller prendre la lumière. Mais nous, nous avons la vérité. La nôtre, quand elle vient, elle se fait suivre d'une voix. La voix là, c'est le témoignage du Père. J'allais même bien dire, Dieu n'est pas notre Père, mais Dieu est Abba Père. La Bible ne dit pas qu'il est Père. La Bible dit l'Esprit fait crier en nous et nous crions Abba Père. Qui crie Abba Père? Puisque ton voisin Abba Père. Puisque ton voisin Abba Père. Ah, je ne t'ai pas entendu. Puisque ton voisin Abba Père. Son wakawaki na otomo echewe. Chikwipi kadego. Sangipi neko. Hey Abba Père. Hey ya. Même quand je suis seul, je crie à ma paix. Quand je ne sais plus quoi faire, je crie à ma paix. Quand je ne sais plus quoi faire, je crie à ma paix. Le monde ne veut pas de moi. Je crie à ma paix. Qui comprend ça? Il n'est pas juste Père, mais il est Abba Père. Il n'est pas juste Père, il est Abba. Ah, aidez-moi, il n'est pas juste Père, il est Abba. Il est Abba. Il est la source des Pères. Il est le Père des Pères. Ce matin, le Père des Pères s'élève en ta direction. Jésus. Il veut changer ton niveau de lumière. Jésus. Jésus. Ariana,
Qui peut crier Abba Père, 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 Abba Père. Chavironte di viranti merite prendiamo in eccitante. Hey, contrôlez le mouvement dans la salle. Je sens qu'il est là. Je sens qu'il est là. Je sens qu'il est là. Yéaba, yonde nyonso na luka na vi. Yéaba, yéaba, yonde nyonso na pona na vi. Yéaba, yéaba, yonde nyonso na luka na vi. Commence à invoquer Abba Père. Là où tu es, même toi qui me suis en ligne. Commence à invoquer Abba Père. Commence à invoquer Abba Père. J'entends ta voix, invoque Abba Père. Abba Père. Come on. Abakulanda yoye ngana kolembate kugumba mena yo sinabomo inanga quel culte kana sambwenanga oshikana yo vinanga na pasio. Mosika na yo bandokia fami basepelio. Yesu. Mosika na yo vinanga kobeba. Zambe. Kozanga yo ngana sambwe nanga. Kozanga yo ngana bebi nanga. Mosika na yo vinanga kobeba.
mosika na yo vina ngana pasio mosika na yo bando kia fami basepelio hey, hey, hey. Wapio wapio Jesus wapio wapio shada da 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 abana bungi sayote bonzambe basomba kateo mokano la kaki kosala deposa mote manangai abana bungi sayote bonzambe basomba kateo mokano la kaki kosala deposa mote manangai abana bungi sayote bonzambe basomba kateo mokano la kaki kosala deposa mote manangai abana bungi sayote bonzambe basomba kateo mokano la kaki kosala deposa mote abana bungi sayote bonzambe basomba kateo mokano la Sala deposa mote manangai abana bungi sayote bonzambe basomba kateo mokano la kaki kosala deposa mote manangai abana bungi sayote bonzambe basomba kateo mokano la kaki kosala deposa mote manangai so na luka na vi ie aba ie a yo nzambe na pona na vi ie aba ie a yo denyoso na luka na vi ie aba yo denyoso e yo denyoso na luka na vi ie Jesus!
Lève tes mains. Écoute-moi, attendez. Yoka. Laisse les gens chanter. Comment? Ce matin, j'entends trop les anges chanter. Et je te fais chanter. Je te fais chanter les cantiques que Dieu veut entendre. Lève tes mains plus que ton voisin chante encore. Crie Jésus! Jésus!
Quand tu cries Jésus, regarde tes problèmes, regarde tes combats, regarde tes difficultés. Regarde Jésus au-dessus et grand plus que toutes ces choses. Ces trois derniers mois, c'est la gloire. Ben. Yes. Lève tes mains plus que ton voisin, chante encore, crie plus que ton voisin, Jésus. Yeah,
Lève tes mains dans sa présence. En fait, pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me dit ceci. Dieu me dit, réunis mon peuple demain ici. Sangisa libota nanga bipai boye mukolo lobi. Acclame bien. Betamo boko malam. Alléluia. Il me dit, Zambazo bisatata. Réunis mon peuple ici demain. Sangisa libota nanga awa mukolo lobi. Pour un culte très spécial. Mpona mayanga ni moko bokese. Mais avec la Sainte Seine. Kashi toko lekana mesa na nzambe to elam. Acclame bien Jésus, acclame bien. Betela Yesu maboko mala. Écoute ce que Dieu me dit. Yo ka nzamba zo emisa tata. Dieu me dit ceci. Nzamba zo emisa tata boye. Cette année, mbuloyo. Réellement, c'est une grande année. Na bosolo ezali mbula moko monene. C'est pourquoi dès le début, Talatina uto ebande. Elle a été ce qu'elle a été. Ezali o ezalaka. Opprobre, attaque, Sonia Batumbi Tumba. Même dans ta propre vie. Atanaka tabumu na moko. Mais Dieu me dit ceci. Kashishika sika onzamba bisi tataboy. Et je l'ai dit pour des gens qui, même quand Dieu nous convoque de manière spéciale comme ça, et il s'absente toujours. C'est pour vous que je parle. Même quand Dieu appelle expressément, toi tu as toujours des raisons. Dieu m'a dit, il y a un sceau qu'il veut mettre sur nos vies. Je n'aime pas cette manière de parler. Yes! Tu n'as pas vu que j'ai lutté avec l'enseignement et les services prophétiques. Je voulais t'enseigner, mais Dieu voulait qu'on fasse des choses. Donc ce que je t'annonce ici, ça vient droit du trône. Allez, les 100 premiers amen actifs, cette grâce à Seigneur. Dieu m'a dit ceci. Il y a un sceau qu'il veut poser sur la vie de tout un chacun de nous et sur la famille de chacun de nous. Les trois derniers mois de l'année. Oh, les trois derniers mois de l'année, nous allons vivre le rattrapage, nous allons vivre la gloire, nous allons vivre des faveurs, nous allons vivre des bénédictions inouïes. Tel que tu dis, amen, là ça arrive pour toi, pour toi, pour toi. Laissez-le. Et vous savez, même les diables savent qu'on vient au culte mardi. Qui croit en ça? Maintenant, quand Dieu change des sphères, des programmes, il sait pourquoi. Je sens que le programme de demain, c'est pour tout celui qui est en ces lieux ce soir. Ma fille, je décrète et je déclare. Garde tes mains sur ton ventre. Mon fils, met tes deux mains sur elle, le signe de l'autorité. Je déclare, les plans du monde des ténèbres viennent d'échouer. Amen. Tu vas aller au même hôpital. Hein? Le même médecin. Yes. Tel que Dieu a agi il y a des mois en arrière. Amen. Ils te diront, en tel délai, tu accoucheras sans problème. Yes. Cet enfant-là que tu portes. Moi non, Mémi. Me connaît très bien. On se connaît très bien. En esprit. Je lui ai parlé. Et il a pris la position dans laquelle tout enfant qui doit naître doit naître.
et tous les plans de l'ennemi qui avaient contre ta vie, contre la vie de l'enfant, ça vient d'être renversé au nom de Jésus-Christ. L'église sur le croix, donne-moi amen, et cela est renversé. Église sur le croix, donne-moi amen, et cela est détruit. Quand tu reviendras demain soir au culte, tu viendras avec les témoignages. Ta manière d'acclamer, elle m'étonne. Ta manière d'acclamer m'étonne. J'ai dit ta manière d'acclamer m'étonne. Jesus. Lève-toi maintenant là où tu es. Fais la dernière prière. Protocole, aide-moi. Lève-toi là où tu es. À 17h, nous serons là pour la Sainte Cène et beaucoup de prières prophétiques. Celui que tu n'as pas vu aujourd'hui, dis-lui que le diable ne t'envoûte pas, soit là demain. À 17h. Ministre, organisez-vous pour que les gens rentrent avec la Sainte Cène aussi en famille, s'il vous plaît. Ministre, amen. Hein? Qui a compris? Amen. C'est-à-dire demain, lobby, viens avec quelque chose pour qu'on te donne un peu, que tu vas aller célébrer dans la famille. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Dieu n'est pas notre Père, mais Dieu c'est notre Abba. Père. Alléluia. Amen. Tu as reçu la révélation? Hein? Ne prie plus comme tout le monde. Je t'appelle Père. Je t'appelle. Oh Père. Dis Abba Père. Loba Abba Père. Quand tu dis ça, il s'est dit Yango Anasiko. Parce que là, Dieu réalise que tu as la révélation qu'il est la source des pères. Il est le père de pères. Crie encore après moi, Abba Père. Abba Père. Ah, Isamabe, Isamabe. C'est pour la première fois que je te donne cette révélation. Retourne ça à Dieu. Crie encore bien, Abba Père. Abba Père. On va faire une dernière prière. Dis à ton voisin, ne me distrais pas. Même toi qui me suis en ligne, dis à ton voisin, ne me distrais pas. Ne me distrais pas. Lève légèrement tes deux mains. Lève légèrement tes deux mains. Je veux que tu cries Abba Père, que ton voisin sente que tu cries Abba Père. Et que ça reste en toi. Une, deux, trois, crie encore Abba Père. Abba Père. Oui, ça commence à venir. Vous savez, pour crier comme ça, oui, pour gagner, il faut avoir la révélation. Et il faut être humble. Mais il y a des choses qui se passent. Voilà ce que Dieu me dit. Qui s'est rendu compte que depuis que cette année a commencé jusqu'à aujourd'hui, les choses sont que contraires. Lève tes mains. Tes deux mains. Je parle de cela. Ils voient que non, c'est un culte très spirituel. Mais je prie que vous puissiez comprendre. Lève-toi, lève les mains. Tu es là? Crie bien, Abba Père! Abba Père! Relis, sois connecté. Pendant que tu cries Abba Père, tu regardes tous ces domaines-là où tu as vu la confusion, la contradiction. Il y a Abba Père, le Père de Père, la source des Pères. Et quand tu as Abba Père, tu as la source de sources. À cette source-là, tu peux avoir le travail. Tu peux avoir le mariage. Tu peux avoir la guérison. Tu peux avoir la délivrance. Il y a même des gens ici, je vois. Pendant que je parle, je vois leur cœur saigner. Je vois leur cœur saigner. Chez Abba Père, tu reçois la consolation. Tu reçois les réconforts.
Je vois d'autres les larmes couler. Chez Abapé, les larmes sont essuyées. Si c'est toi, lève de mes cris. Abapé! Abapé! La dernière fois. Non, c'est Konika Nikabala. Regarde ces domaines-là où les choses sont restées dures, bloquées, difficiles, compliquées. Oublie ta vie. Je disais, oublie tes vêtements. Oublie ton titre. Oublie ton voisin. Lève tes mains si c'est tout. Là où tu as besoin d'une intervention. Frère, sœur, le Dieu des alliances m'a dit, vu que cette année a commencé dans l'opprobre, mais vous allez les terminer dans la gloire. J'ai confiance au Dieu des alliances. Il y a une intervention surnaturelle qui arrive dans ta vie ce matin. Lève tes mains, crie la dernière fois, Abba Père. Déclare, descend. Deuxième fois, descend. Descend. Lève tes mains, troisième fois. Descend. Quatrième fois. Descend. Plus que ton voisin. Descend. Que le Saint-Esprit t'entende. Descend. Que les anges t'entendent. Descend. Déclare maintenant, agis à ma père. 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 Agis à ma paix! Agis à ma paix! Agis à ma paix! Commence à battre tes mains, appelle à ma paix! Dis-lui, agis, dis-lui, agis, dis-lui, agis! 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 Est-ce que janvier 10 septembre des années qui passent? Agis, agis, agis. Agis, agis. Agis, agis. Agis, agis. Agis, agis. Agis. Où est cet homme et cette femme qui a vécu janvier jusqu'à septembre? Les choses compliquées. Agis. Regarde comment tu dois prier. Il y a tellement plusieurs faveurs ce matin. Pendant que tu bats tes mains, tu dis, Abba Père, agis dans tel domaine qui m'a frappé depuis janvier jusqu'à septembre. Abba Père, tu le fais de tout ton cœur. Qui est prêt ce matin? Qui est prêt ce matin? La dernière fois, qui encore? Abba Père, descends et agis. Pendant que je prie, en battant mes mains, Abba Père, Abba Père, Abba Père, mettons ma boca, va donc au Sambela. Je commence à prier. Nova Shaka, Zobayana, mettons ma boca, mettons ma boca. Yemise la Shala, Zametata, Tata, Matata, mettons ma boca, Shala, Shala, Shala. Sala, 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 sala de l'eau, sala de l'eau, jamais ton chien à monter, amadata, sala, jamais sala, jamais sala, abba, 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 sala, abba, sala, abba, sala. Yesu, yemisa ya asala. Akota ni kamaona, akota ya mo, akota ya mo, Abba, sala, Abba, sala, Abba, pasola, kwa isha goliat, isha mamam, kwa isha mamam, Abba, sala,
Abba sala, sala sala, sala sala. Beta mamako, beta mamako. Mata 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 mata. Yemisaye, na kombolelo. Abba sala, na kombolelo. Abba kita, kita okota ni kambolanai. Kita okota miti manai. Yako siri sa paso, yako lomo la sonyo, yako lomo la son. Wapi mutaza mbolde, wapi mutaza meta mamako, wapi mutaza meta mamako. Ale, tokei, tokei, matali susu, matali susu. Tokei, 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 yemisaye. Baba, sala, meta mamako. Jeriko akwaye, meta mamako. Panza mamuna na yo, meta mamako. Satos is out. Sauria to utireus. Zibrita waremusur machem. Mirur du pluvir du scapura vera. Waritunti ascetupia. Washini vane. Washini vat. Tomara vane. Abba, abba, abba. Abba, sala, abba, sala, abba, sala, abba, sala, abba, sala, sala, bona ni mocha. Negozo beta maboko, azo yo kayo, tel que tu bats tes mains, tu cries, il t'écoute, il te guérit, il te délivre, il t'affranchit, il te décharge, il te restaure, il te relève, il te visite, il te fait du bien, il t'exauce. Abba, 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 père. Abapé, 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 Abassal, Abassal, Abassal. La gloire de la fin de cette année. Zori Panze, Fokite, Wasute Viapo, Machiwariat, Nopona Sumanade, Notini Mana Pesilanero. Jabalaya po, meta mamoko, ale tokei, 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 abasala, na tomo alelo, ata montagne, ata mama, wezala kini wosona yo, meta mamoko, yemisa aba, na tomo, babo mekwe, babo mekwe, babasieli, mikagata nuelo, somaje tik, somaje ken, bambiaka eken. Sorry, my again. So much again. Sorry, my again. Stay in it again. Let me go. Let it lie. Let it lie. Let it lie. On s'en sort de la vie. 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 Quand on a besoin de prévenir, et ça n'est qu'un bon aïeul. Prends de la bonne. Prends de la bonne animat. Prends de la bonne. Sautilaoué. Sautilaoué. Let you warrant some of my appeal. Abba, Abba, somebody wants it. Protect warrant. Toza na posta li subina yo. Abba, toza na posta. Ya intervention yo. Mani kamboy. Toza na posta. Yo kota li kamboy. Abba kota li kamboy. Abba kota bitumboy. Kota bitumboy. Kota bitumboy. Intervention à Batou, et Simité, intervention à Batou, et Bessi solution de, intervention, Yamachon Bokin, et Bessi solution de, Abba, Toye Panayo, Potalika Boy, Potalika Boy, Potalika Boy, Potalika Boy, Potalika Boy, Potalika Boy, Sinisarika Boy, Sinisarika Boy, Wapi Mutazo Bonde, Wapi Mutazo Bonde, Beta Mamako, Yemisa Abba, Nakombo Lelo, Yonder to cherry motel, yonder to lossi fa de ba, ani sabu beade. Yonder to cherry motel, yonder to cherry motel, yonder to cherry motel. Shini sabu tumboy, kota bi tumboy. Mokili ba chelen, mokili ba chelen, banduna ba chelen. Paligi ba mo mangai, paligi ba salama ba be, paligi ba mo chomanai. Di bangol, aba kota, kota, kota makamol. Kota makamoy, kota kota kota, kota makamoy, kota bitumoy, kota bitumoy, bitumoy zani fola yo,
Nitumbozo na nivola yo. Kota yango. Kota yango. Ah. Na mono nzuozo lemba. Na mono nzuozo lemba. Na nigi kutumako. Azo wakanda. Abeta kama moku. Azo emisa abu. Na kongo alelo. Jesus. Kota bisumbozo. Dieu me donne un dernier sujet alors que je priais pour cet enfant. Lève tes mains. Je t'ai fait voir comment prier avec Abba Père. Alléluia. Dieu m'a dit, la dernière prière, tu vas prophétiser sur les trois derniers mois de l'année. Je le dis même aux médias. Dieu m'a dit. Cette année a commencé dans l'opprobre. Pour finir dans la gloire. Yes. Qui a volé ton amen? Yeah, amen. Lève tes mains, déclare, ah ma père! Ah ma père! Il faut être fier de crier et avec foi. Crie encore, ah ma père! Ah ma père! Dernière fois, ah ma père! Ah ma père! Alors que je prie! Alors que je prie! En battant mes mains! En battant mes mains! Tout ce que je vais prophétiser. Tout ce que je vais prophétiser. Pour octobre. Novembre. Novembre. Décembre. Décembre. 2023. 2023. Dans la gloire. 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 Ça va arriver. Ça va arriver. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Commence à battre tes mains, déclare avec Abba Père. Déclare. Sakola. Non le mozo sakola. Ya non le gezo sale. E ko sale ma non le mozo sakola. Sakola sakola. Kona ba sans amis ato etikal. Poto si di sa mobu a 2023. Ay 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 ay. Wapi mutasa na kanda ko sakola. Ozo sakola ma kawa bien. Nous
je prophétise la gloire de Dieu sur le mois d'octobre. Je prophétise le ciel ouvert sur le mois d'octobre. Je prophétise le ciel ouvert et la gloire de Dieu sur le mois de novembre. Je prophétise le ciel ouvert et la gloire de Dieu sur le mois de décembre. Wapi Boudara Sakola, Oza Sakola, Kona Vinayo, Oza Sakola, Kona Église, Oza Sakola, Kona Bambara Spirituelle Nabiso, Oza Sakola, Kona Bambara Biologie Nayo, Sakola, Longévité, Sakola, Longévité, Sakola, Longévité, Kona Babot, Lokana Saka, Kona Babot Nayo, Sakola, Longévité, Loua Ezala Moshika, Loua Ezala Moshika, prophétise la longévité ce matin. Tous tes parents, tous tes frères et sœurs biologiques, tes frères et sœurs dans la Sushama, dans ta famille chrétienne, prophétise la longévité, prophétise la gloire, la grâce, la gloire, la grâce, les surnaturels, les succès, la réussite, la domination, la réussite, la domination. L'invasion surnaturelle des dieux, sont en train de prophétiser. C'est là, tous ces trois derniers mois de l'année 2023, l'invasion surnaturelle des dieux, la domination, la gloire, la domination, la montée, la percée, la réussite, la chance, l'élévation. Nous les prophétisons ce matin, la longévité. Sakola, Sakola, Sakola. Oh Dieu. Jésus. Tends tes mains vers l'autel, je prie pour toi. Talisa Maboko. Et si que tombe le Zali, tata bon de la ponabis. Je me donne une vision alors que nous sommes debout. Tantôt ça côté la malicolo, nzamba zo pesa tata et monise. Lève-toi. Tel malicolo si ko Zali. Même ceux qui sont à genoux, levez-vous. Ataba e baza ko fukama tata sengi na biso to tele malikolo. Je le vois clairement en vision. Tata moniango pena na bokali kali na kati e monisel. Tu vas tourner trois fois. Okobaluka mbala misato. Et je vais te dire ce que Dieu a dit. Pena shima tata ko ebisa biso pa o nzambe auti ko ebisa ye. Lève les jambes maintenant. Mwa mukeli kolo tombola maboko lomi bale. Je n'ai cessé de le dire. J'ai lutté entre l'enseignement et tous ces services prophétiques. C'est pour vous dire que tout ce qui s'est fait ici, c'est écrit nulle part. Mais Dieu savait ça. Et si tu peux être connecté, c'est fini. Et si je levais les pour la deuxième fois, hôtel et misaï pour n'embala mi balé. Si Dieu m'a oint, parce qu'il m'a oint, j'ai activé ta destinée aujourd'hui. Alléluia. Quelque chose qui attire Dieu comme la soif dans les cœurs. Il n'y a pas quelque chose comme la soif.
Nous irons encore plus loin demain dans tous ces services prophétiques. Tu vas tourner une première fois. Je te commanderai, tu tourneras la deuxième fois. Je te commanderai, tu tourneras la troisième fois. Et je déclare la parole que Dieu m'a dite. C'est la vision qu'il m'a donnée. Je vous ai dit mardi, si tu as la révélation de l'église, c'est quoi l'église? Ton attitude et comportement dans l'église seront différents. Et tu jouiras de beaucoup de choses. Tourne la première fois. Tourne pour la deuxième fois. Balukampona mbalami balé. Pendant que tu tournes pour la deuxième fois. Tangozo balukampona mbalami balé. Je vois on m'écrit les liens maternels. Tatazo mona bazo komelaye mignololo uto mukolombo tamanayo. Non, les liens maternels, j'explique. L'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens ici. Alors que vous avez tourné pour la deuxième fois, l'Éternel est en train de vous détacher de tout lien qui vous retenez à vos mères. Il parle des mères. Les côtés de vos mères. Là, hein? Les côtés des tantes. Hein? Les côtés des tantes maternelles, je voyais ça. Et Dieu me dit, ce lien est en train de se rompre maintenant. Il est en train de se rompre maintenant. Ta vie ne sera pas comme la vie de ta mère. Ta vie ne sera pas comme la vie de ta tante. Je dis, ta vie ne sera pas comme la vie de tes cousines. Ta vie ne sera pas comme la vie de tes nièces. Tu reçois cela maintenant, maintenant, maintenant. Qui a ma paix? Qui encore a ma paix? La dernière fois, reçois ta délivrance. Qui a ma paix? Ouais, c'est ça. Sois libéré là-bas derrière. Sois libéré. Sois libéré. Je vois quatre personnes. Je vois quatre sœurs. Allez, sois libéré, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Les liens de côté de maman. Allez, katana, et katana. Sois libéré. Sois libéré. Je vois quatre liens. Je vois quatre liens. Du côté de maman. Et son katana. Ezo katana, Ezo katana, ministre aidez-moi, Ezo katana, il y a quatre personnes, j'ai vu quatre sœurs, les liens du côté de maman se rompent totalement. Maintenant, 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 amenez-moi ces gens sur l'autel. Amenez-les-moi sur l'autel. Dieu ne me mange jamais. Il m'a envoyé pour la délivrance. Amenez-moi ces gens. Je vois.
Les liens s'est coupés du côté maternel. Dieu vous sépare des liens qui ont bloqué vos mamans, qui ont bloqué les tantes, qui ont bloqué les cousines. Babalate, babongate, Basalaka Maël était. Dieu est en train de vous libérer. Lève tes mains. Envoie à l'hôtel à ma père. Encore. Plus que ton voisin. Écoute, sois un peuple. Quand on te donne une révélation, tu t'empares de cette révélation et tu cherches à jouir les meilleurs de cette révélation. Et je t'ai amené la révélation de Abba Père ce matin. Aïe, 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 j'en ai vu quatre. Amenez-les sur l'autel. Enlevez-moi ça. Ça sera extraordinaire ce que Dieu va faire demain ici. Amenez-moi l'autre là, elle là aussi. D'ailleurs, elle, j'ai la voix très loin. Dans un profond puits très loin. Si Dieu est Dieu. Et parce que Dieu est Dieu. Aujourd'hui, elle sort de là. Tends tes deux mains vers moi. Je cherche les gens qui sont connectés. Je cherche les gens. Tends tes deux mains vers moi. Déclare encore à ma père. Malédiction est quoi? Célibat est quoi? Malédiction est quoi? Come on, my general. Mahazende.